Lily Rose! Lily Rose, réveille-toi! Lily Rose! Oh, c'est pas possible! Elle veut pas se réveiller. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, j'aurais bien aimé faire une vidéo cool, etc. pour vous dire qu'on est en train de partir en vacances. Sauf que là, les vacances sont en train de très mal tourner. Je viens de recevoir un appel du directeur de l'école de Lily. Qu'est-ce que j'ai sur la tête? C'est quoi ça? Ah bon, bon les amis, je viens de recevoir un appel du directeur de Lily Rose, du collège de Lily Rose. Et en gros, apparemment cette année, les élèves ont été catastrophiques de chez catastrophiques. Ils ont eu énormément de mauvaises notes. Et au point où ils ont décidé de faire revenir les élèves pendant les vacances pour faire un mois d'école en plus. Non mais c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Peppa Pink! Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Attends, je suis en train de mettre des agrafes dans mon agrafeuse parce que j'en ai plus là. Non, non, mais vas-y, là, viens, il faut que je t'explique un truc, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il faut réveiller Lily Rose en urgence. Ah bon? Pourquoi? Viens. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est jamais tranquille, on est en vacances. Non, mais tu te souviens là, je t'avais dit qu'à l'école c'était catastrophique, que dans la classe de Lily Rose il y a plein de gens qui ont dû redoubler, qui ont pas eu leurs examens. Ouais, ils ont prévu un truc de rattrapage, je sais pas quoi. Oui, non, mais c'est pas ça le problème. C'est que du coup le directeur il vient de m'appeler, ouais, parce qu'apparemment il a pas réussi à t'avoir. Ils veulent faire l'école pendant les vacances. Donc là, il faut annoncer à Lily Rose que, bon, là, il est 10h30 du matin. À midi, elle doit être absolument à l'école. Sinon... Mais, tu connais Lily Rose, elle est en vacances, elle va pas vous voir. Sinon, c'est redoublement général. S'il manque un élève, tout le monde redouble parce qu'ils auront pas le niveau, etc. Ils vont pas être contents, les enfants, là. Ah non, mais ça va être catastrophique, là. Surtout qu'on doit partir en vacances demain, comment on va faire? Bah écoute, parce on peut là, pas annuler les vacances. École, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah non, je suis pas d'accord, je vais appeler le directeur. Non, mais le directeur il veut rien savoir là, j'ai essayé de lui dire, mais imaginez, il y a des gens qui ont prévu des vacances, il y a des gens qui ont besoin de se reposer. Bah les parents pour l'instant ils sont tous d'accord. Hein? Ils sont tous d'accord, ils ont annulé leurs vacances. Il faut réveiller Lily Rose, faut lui dire. Faut qu'elle prépare son sac, faut qu'on retrouve tous ses livres d'école, etc. Lily Rose! Lily Rose, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est important là, on a une annonce à te faire. Quoi? Assieds-toi, faut que je te parle là. Assieds-toi bien. Lily Rose. C'est une très bonne nouvelle. Lily Rose. Quoi? Bon, accroche-toi bien à ton lit parce que là tu vas pas être contente du tout. Quoi? On part pas en vacances? Oui, on part pas en vacances. Non. Ouais, c'est pas vrai. Mais si, on part. Mais pourquoi? La raison est pire. Tu te souviens, là, dans ta classe, il y a plein de gens qui ont redoublé. Ouais, mais c'est pas grave, c'est bon, c'est du passé, là, la rentrée, c'est dans longtemps. Non, non, mais justement, Lily Rose. Quoi? Attends, le directeur m'a appelé. Ouais. Ils veulent faire l'école pendant les vacances. Quoi? Et ça commence aujourd'hui pendant un mois. Non, mais n'importe quoi, non, mais j'y vais pas. C'est de mi-juillet. Mais j'y vais pas, c'est mort, je n'y vais même pas. Non, mais t'inquiète pas, après, t'auras 2 semaines de vacances avant la rentrée. Mais alors, 2 semaines, c'est rien du tout. Non, mais là, j'ai déjà dû annuler nos billets d'avion, là. D'après ce que tu m'as dit, c'est soit ça ou tout le monde redouble. Ouais, c'est en gros, s'il y a un élève qui manque à l'appel, tout le monde redouble. C'est une blague. Non. Essaye d'appeler tes amis là pour savoir si... Non mais ses amis, là il faut que tu reprennes ton sac. Il est où ton sac d'école? Il est là pas, ah bah ça va, tu l'as même pas défait. Non, l'autre. Ça c'est ton sac d'école. Non, lui. Mais il est trop lourd. Ouais, bah il est trop lourd, bah c'est ton vrai sac d'école. Bon, en tout cas les amis là, on va tout vous montrer de A à Z. On va aller à l'école de Lily Rose. On va filmer les amis de Lily Rose pour voir ce qu'ils en pensent. On va même essayer de rentrer avec la caméra dans ta classe. Donc les amis, restez bien sur la vidéo. Vas-y, on va dans la voiture. Ah mais heureusement, ah oui, parce que Lily Rose, pour vous dire, pendant les vacances, elle dort habillée. Elle s'entraîne à dormir habillée parce que comme ça, le jour où on part en vacances, on la réveille super tôt, elle est déjà habillée. Alors je sais que c'est très bizarre de dormir habillée, mais Lily Rose, pendant les vacances, elle fait ça. Alors je dis pas que vous devez le faire hein, parce que c'est une mauvaise habitude, mais bon, allez, là je suis en train de trop parler. Parce que apparemment les cours reprennent à midi pile. Ils ont réouvert l'école exprès. Midi pile, ça veut dire qu'on doit aller à la cantine. Oui, bah il y a la cantine, hein, ça c'est sûr. Et il y a la cantine, le directeur va faire un discours. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Et que notre classe. Ah oui, je vais te dire un truc aussi. Que notre classe. Oui, il y a que ta classe. Et je vais te dire un truc. Toujours cette. Ils ont même annulé les récréations, etc. Ils ont dit, bah puisque c'est que des. Ça pue. De quoi ça tue? Ça pue dans ce garage. Mais oh non, mais c'est bon là. C'est pas parce que t'es énervé que tout doit sentir mauvais là. Bon, allez, c'est parti. Mais non. Bon, ils ont. En train de faire...
je pense que le pire, c'est qu'ils ont annulé les récréations. Ça, je pense que les élèves vont vraiment pas supporter du tout. En tout cas, les amis, c'est parti. On part maintenant et on se retrouve devant le collège de Lily Rose, même dans ta classe. Allez, c'est parti. Directement dans ta classe, ouais. Ouais, ouais, dans la classe. Vite. Bon, les amis, c'est bon. On est arrivé dans la classe de Lily Rose. Bon, pour l'instant, vous voyez, il n'y a aucun autre élève. Alors, peut-être que vous reconnaissez la classe parce que c'est dans cette classe-là qu'on a filmé le fameux clip Kouakoubé pour ceux qui l'ont regardé. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun autre élève. Mais le professeur, il n'est même pas là. Lily Rose avec des lunettes montre comment ? Le professeur, il n'est même pas là. Ouais, et pour vous dire à quel point les élèves étaient mauvais dans cette classe, voilà, regardez, une copie de Lily Rose, 4,5 sur 20. Là, elle a rajouté un 1, elle a triché, elle a voulu mettre 14,5, mais en vrai, elle a eu 4,5 sur 20 et c'était la meilleure élève de la classe. Ouais. Franchement, j'ai géré. Ouais, bah, gérer 4,5 sur 20, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ce que j'appelle gérer. Hein. Géré à l'envers. Ouais, voilà. Regardez, donc elle a déjà préparé ses livres. On l'a mise au premier rang parce qu'il faut qu'elle soit la meilleure élève possible. Donc, attends, c'est quoi ça? Attendez, les amis, je vais me poser. Qu'est-ce que c'est ça? Allô? Comment ça? Non mais c'est pas possible, nous on s'est déplacé jusqu'ici là, on peut... Non mais là on est dans la classe. Mais c'est... Ok, je vous rappelle, Lily Rose t'es pas prête. C'est pas vrai. Non non, c'est pas ça le problème. Il y a les élèves qui se sont rebellés. Tous les élèves ils sont restés devant le collège, apparemment ils ont des pancartes. Mais il faut les rejoindre. Ils sont en train de jeter leurs agendas par terre. Mais allez, mais on y va. Ils sont en train de jeter leur cahier dans les airs. Bah allez, qu'est-ce qu'on attend là? Ils sont en train de tout jeter à la poubelle. Faut y aller. Attends, de quoi faut y aller? Solution. Comment ça? Vu que t'es la seule élève à être venue ici, ils vont peut-être faire un petit recours pour mais toi. Mais oui, moi je lui ai dit qu'on était déjà dans la classe, il a dit c'est très bien, faut rester là. Ah ouais, donc voilà. Ah, mais peut-être que moi j'ai pas redoublé du coup. Bah voilà. Attends, mais peut-être que du coup, comme pour te récompenser, tu vas être la seule à pas redoubler. On fait ça? Bah oui, c'était pas une bonne idée ça. Bon bah vas-y, au pire, on laisse Lily Rose. On laisse Lily Rose ici. On laisse Lily Rose ici dans la classe. Ok. Nous on part, ok. Et on dit qu'on n'a pas pu sortir à cause des élèves et que Lily Rose est dans la classe. Ah ouais, on dit que tu restes ici parce que tu veux vraiment étudier. Ouais, moi voilà, je veux vraiment étudier. Vas-y, vas-y, vas-y. Et puis comme ça, voilà, ouais, comme ça, nous on peut partir en vacances. Ouais, vas-y. Allez. Bon. Viens. Hey, Peppa Pig. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. On a trouvé le moyen de se débarrasser de Lily Rose là. Du coup, on peut partir en vacances tranquille sans elle. On a qu'à la laisser à l'école pendant toutes les vacances, c'est bien ça comme ça. T'es sûr de ton coup là? Mais ouais, on fait ça. On s'en fiche, là, elle est dans sa classe. Ils vont s'occuper d'elle, elle va réviser tout le programme et voilà. Ouais, mais imagine, ils annulent comme on dit. Non, mais ils vont pas annuler, t'inquiète pas. Bon, attendez, les amis. Ouais, bon, Lily Rose, on revient te chercher plus tard, ok? Mmh. Si on vient pas te chercher, tu rentres à la maison toute seule. Ok. Bon allez, tu dis au revoir aux abonnés. Et au les revoir. Amis, si vous voulez acheter l'album de Lily Rose qui vient de sortir, Bubblegum, vous pouvez cliquer juste là. Allez, à plus.